Priya et Stéphane jouent à la roulette pour essayer de gagner le premier prix. Priya a tiré le nombre 17. Donc Priya, elle, a fait, elle a tourné la roue et s'est tombée sur 17. Et Stéphane a tiré un nombre qui vaut 15 de plus que celui de Priya. Alors, Stéphane a tourné la roue aussi et il, a tourné, il est tombé sur un nombre qui vaut 15 de plus que celui de Priya. Quel nombre Stéphane a-t-il trié Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et ensuite on verra ensemble. Bon, euh... Moi je commence toujours comme ça, j'essaie de me re, de reprendre un peu l'énoncé en, en essayant de bien comprendre ce qui se passe. Donc déjà j'ai Priya. Alors Priya, je vais l'écrire ici. Priya, elle a tiré, elle a tourné la roue et s'est tombée sur le nombre 17. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis Stéphane, lui, alors Stéphane, j'ai mis en bleu. Donc Stéphane, je vais le mettre ici. Alors Stéphane, je ne sais pas exactement ne pas directement ce qu'il a eu quand il a tourné la roue, mais ce que je sais, c'est qu'il a tiré un nombre qui vaut 15 de plus. Donc en fait, qui a eu le plus grand nombre ben, C'est Stéphane, hein, puisqu'il a eu 15 de plus que Priya. Hein. Alors ça, c'est l'indication la, la plus importante, c'est ce, ce mot-là, hein, de plus. 15 de plus. Voilà. Donc le nombre de Stéphane, le nombre qu'a qu eu Stéphane, c'est le nombre de Priya plus 15. Donc le nombre de Priya, c'est 17. Et puis, il faut que j'ajoute, puisque je sais qu'il a eu 15 de plus, en fait, c'est tout ça qui est important, 15 de plus que celui de Priya. Donc, en fait, il a le nombre de Priya plus 15, parce qu'il a 15 de plus. Voilà. Donc là, on a traduit la situation avec cette addition-là. Et du coup, ben, pour trouver le nombre de points de Stéphane, ben, c'est dit, il faut faire cette addition-là, 17 plus 15. Alors, je vais la faire, je vais la poser ici, 17 plus... 15. 17 plus 15. Alors, je vais déjà ajouter les unités. Hein. Donc, 7, plus 5, ça fait 7 unités plus 5 unités, ça fait 12 unités. Mais 12 unités, c'est une dizaine et 2 unités. Donc, je vais mettre 1, 2 ici et je vais rajouter une dizaine là. Alors, ensuite, je passe à la colonne des dizaines. Je vais additionner les dizaines. J'ai 1, plus 1, plus 1, c'est-à-dire j'ai 3 dizaines en tout. Voilà. Donc là, j'ai trouvé en fait ce nombre-là, 32, et ça, ça correspond au nombre que, que, que Stéphane a tiré. Hein. Donc Stéphane, la réponse est Stéphane a tiré le nombre 32. Alors c'est toujours bien de vérifier un petit peu ce qu'on a fait. Est-ce que euh, 32, c'est 15 de plus que 17 Ben oui, puisque c'est le résultat de cette addition-là. Hein. Donc 32, c'est 15 de plus que 17, donc c'est effectivement le nombre que Stéphane a tiré. Voilà. Alors je peux te dire aussi que tu aurais, aurais pu faire la même chose en utilisant... Euh, la roue qui est là, hein. si tu pars de ce 17 qui est le nombre de Pria, ça c'est Priya, et puis tu dois ajouter 15, donc tu peux regarder ici, ajouter 15 sur cette roue en partant de 17. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et effectivement, on arrive sur ce nombre-là, 32, qui est exactement le même résultat que ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà.